Crédit photo. TF1 Leto se resserre à la Star Academy. Crédit photo. TF1 Leto se resserre à la Star Academy. L'heure du dernier prime, aucun élève n'a été éliminé mais les 7 candidats encore en lice, Pierre, Elena, Candice, Lenny, Djibril, Julien et Axel, ont été notés sur leur performance de la soirée. La production a en effet décidé d'arrêter de nommer 3 élèves simultanément, ils ne seront désormais plus que 2 élèves à être en ballotage chaque semaine, et seul le public aura le pouvoir. Une grosse pression pesait donc sur leurs épaules avant les évaluations de mardi, pour lequel l'un de leurs proches a choisi la chanson qu'ils ont dû interpréter. Le player Dailymotion est en train de se charger. Et en particulier sur celle de Djibril et Candice, tous deux derniers du classement provisoire établi à l'issue du prime. Je suis trop content d'être là mais j'y arrive pas. Même quand je suis bien, je me retrouve dernier donc je ne sais plus quoi donner. On ne va pas se mentir, l'expérience humaine est dingue et j'adore être là, mais j'arrive à un stade où je n'ai plus ma place ici. J'ai fait mon temps, a-t-il avoué à Lenny, complètement démoralisé. Inquiet à l'idée d'oublier les paroles du titre tout gâché de Chilla, Djibril a reconnu devant ses professeurs qu'il s'agissait pour lui d'un cadeau empoisonné, c'est une chanson que j'adore mais je ne la maîtrise pas du tout. C'est donc le texte sous les yeux que le chanteur de 23 ans a passé son évaluation, réussissant malgré tout à transmettre l'émotion de cette chanson intime. Suffisant hélas pour ses professeurs. On ne peut pas interpréter correctement quand on est en train de lire un texte, a relevé Cécile Chaduteau, perturbée. S'auto-juge, c'est dommage. Il ne se donne pas à fond, à regretter Malika. De quoi donner lieu à un dialogue de sourds qui a suscité l'hilarité dans la salle. Je n'entends rien. Je n'entends pas grand-chose, à avouer la jeune artiste, qui s'est vue attribuer le titre le genre féminin d'Élodie Frégé. Complètement dans son personnage, la chanteuse, mutine et vêtue d'une rose pastel pour l'occasion, a néanmoins rencontré des problèmes de justesse qui ont diminué la force de sa proposition. La voix, elle, est partie en C. Puis déçue de moi, a réagi Candice après sa performance. Arrivée défaitiste, a noté Malika, ça nous fait décrocher. Manque une transcendance vocale, a ajouté Adeline Tognuti. Son élément, Pierre, a lui brillé sur Thinking Out Loud d'Ed Sheeran, il est fait pour la musique. Tandis que Lenny a montré une facette plus délicate en interprétant I Don't Wanna Be You Anymore de Billie Eilish. De soutenir votre candidat favori par SMS au 71 500 ou en téléphonant au 34 80.